Voici la nouvelle Antler disponible chez Snowleader pour la collection Burton 2015-2016. Donc la Antler, ça reprend la construction d'une Custom X. C'est pas le même profil de ride. On est vraiment sur quelque chose qui est plus ludique, avec vraiment un châssis twin. Par contre, c'est la plus performante des Flying V. Vous l'avez en Flying V, mais vous l'avez également en cambre classique. Donc c'est une planche qui reprend les constructions, comme je vous le disais, d'une Custom X, donc noyau extrêmement léger, 10% plus léger que l'année dernière. Une planche, on le verra, par transparence, on a des fibres de carbone qui permettent d'avoir un travail en torsion assez dynamique. Pas à 45 degrés comme sur une Custom X, mais plutôt à 60 degrés pour lui donner un côté un petit peu plus joueur. Et c'est une planche freestyle passe-partout. Vraiment, on s'amuse dans toute la station. Et si vous la choisissez en version Flying V, il y aura un côté plus ludique. Et pour moi, c'est la planche la plus performante dans la gamme des Flying V chez Burton. Et si vous préférez l'approche cambre classique, là, vous mettrez en avant la tenue sur la carte, l'accroche. Par contre, plus joueur, toutes les caractéristiques, je dirais, en construction d'une planche haut de gamme, par contre avec un côté ludique, flex intermédiaire, beaucoup de vivacité et beaucoup de performance sur cette planche. Et une déco vraiment bien spécifique, très bien finie, que je vous conseille si vous aimez le freestyle tout terrain, disponible chez Snowleader pour cette saison.